Bonjour à tout le monde, c'est Orsier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette première vidéo sur notre let's play de Super Mario 3D Land, donc un jeu que j'ai déjà commencé à jouer depuis plusieurs jours déjà, donc franchement c'est déjà bien, donc vous avez dit que j'allais faire une vidéo sur ce jeu, donc voilà, pour vous présenter déjà la boîte et compagnie, voilà, pas trop de soucis, je sors la carte. Touche, alors là on balance ça, c'est bon, on range. Voilà la carte, la vache, la cartouche, à quoi ça ressemble. Voilà, vous voyez la lumière au fond. Nous prenons notre fameuse console Nintendo 2DS que nous mettons petit en veille. Nous allons insérer gentiment ce jeu pour le présenter. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, voilà, déjà la Ketal, nouvelle intro, regardez d'abord la vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite avant, comme ça vous saurez tout. Alors, donc voilà, résultat de la dernière vidéo, donc qui était concluant. Bon, il n'y a pas eu de truc, hein, pas de score, on va dire, mais c'est en fonction du prix que j'ai choisi de prendre les vainqueurs, donc je commanderai. New Super Mario Bros. Et enfin, donc ce jeu quand même il est très bien. Donc on va utiliser les touches L et R, donc vous verrez mes doigts là, mais c'est tout. Et après, voilà. Et je prendrai Mario Party les entours comme ça. Voilà. Donc voilà, je voulais montrer ça. Pour montrer un peu le côté 3D. Oh là là, viens, regarde en haut. En haut, tiens, lui, le petit Toad, bah, qu'est-ce qu'il a? Bah, voilà, c'est comme ça. Voilà, ou alors... comme ça. Mais en réalité, eh bah, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Donc, nous commençons tout de suite. Voilà, j'étais en bande 4, mais il y a plus... donc voilà, j'ai deux petites étoiles en haut, donc ça, c'est, voilà, c'est moi. Nous allons prendre un nouveau fichier. Faites pas attention à tous ces fichiers, machin. Voilà, ni Eorcier, c'est mec non identifié Eorcier. Donc on va prendre celui-là, c'est moi qui l'ai créé. Donc monosourcil, moustache et tout, des trucs trop moches. C'est parti, je ferme ma bouche. J'espère que vous voyez bien. Le son. On va pas bien pitch. Donc nous commençons le premier niveau tout de suite, donc voilà, Peach a été capturé encore une fois, et donc voilà les amis, donc ça va être un peu compliqué des fois hein, de gérer tout ça, donc il y a plusieurs pouvoirs dans le jeu, je pense que vous avez vu vite fait sur, voilà, nous avons le Tanuki, mais cette fois un vrai Tanuki, voilà, je ne sais pas comment on va faire pour le voir de plus près, voilà. Après on fera un glitch dans le prochain niveau. Voilà, je connais déjà le jeu, hein, donc il n'y a pas besoin. Pas besoin de faire un peu tout. Voilà, il faudra prendre toutes les petites étoiles, pas toutes, mais la plupart. Ah la vache, je n'ai pas l'habitude à jouer comme ça en vidéo. Alors là-dedans, ce niveau je l'ai tellement fait, je le connais bien, ça va. Donc vous allez voir plein de trucs. Là déjà il y a ça. C'est elle pour entrer dans un tuyau. Ça voilà, c'est des effets 3D, des trucs en 3D qu'il faut faire. Mais moi je ne suis sûre de l'aider, donc beaucoup plus de difficultés.
Ça dépend pour quoi il y en a, c'est très dur à le faire. Voilà, vous avez un peu vu des choses. Donc nouveau let's play, nouveau truc, je pense que c'est un peu trop lumineux, ne vous inquiétez pas, je vais baisser la luminosité de l'écran dans le prochain épisode, mais donc, pour l'instant dans cet épisode ça va être comme ça. Voilà, parce qu'il fait très moche dehors, voilà, alors je tourne cette vidéo, voilà, ils sont comme ça les Goombas. Alors je tourne cette vidéo, il y a, comment dire, il y a trop, enfin il pleut quoi, c'est moche, c'est nul, c'est très moche. Voilà, en tant que vous pouvez faire ça, donc j'espère que vous voyez bien. Voilà, je ne vais pas utiliser le pouvoir spécial, pas spécialement, ne vous inquiétez pas. Alors après, oui, il y a ces trucs-là. Donc là, par contre, ça va être plus compliqué. Ah, ça, voilà, donc... Ah, c'est pas pratique. Je te vois, petit. Donc toi, tu vas partir, parce que voilà, c'est pas très pratique de filmer avec ça. Première, je n'ai pas de game capture, donc je m'en fous. Voilà, et non, il n'y en a pas là. C'est dans le prochain niveau, je crois. Voilà. Donc c'est le premier épisode avant Super Mario 3D World qui sort sur Wii U, qui est d'ailleurs un échec. Donc là, ça fait bizarre de jouer avec Mario parce que on pourra être Luigi plus tard dans l'aventure. Voilà. Alors on a 6 vies déjà, bon ça va, tranquille. Donc voilà. Et oui, les pièces, enfin le temps qui nous reste, c'est les pièces récoltées. Donc là, on est quand même. Il faut vraiment que je baisse ça. Vraiment que je baisse la luminosité, je crois qu'elle est à 4 ou 5. Donc voilà, évidemment, comme dans tous les Mario, a priori, il y a beaucoup. Enfin, c'est toujours le premier, le deuxième niveau, c'est un niveau. Comment dire ? Voilà, j'ai déjà tué sans faire exprès. C'est toujours un niveau dans le sous-sol. J'allais dire dans le sol, mais non, au final. C'est pas grave, parce qu'en bas, on peut y accéder. Il y a un petit tuyau. Ça, je l'avais vu beaucoup plus tard dans l'aventure. Un petit truc de temps, voilà. Ça fait plaisir, et je crois qu'il y a une pièce étoile là-dedans. Il faut un max de pièces étoiles, je vous le dis, parce qu'après, moi, hors vidéo, je dois faire tout le boulot, et bon, c'est un peu chiant. Donc, non, il n'y en a pas. Ah non, c'est pas vraiment celui-là. Il y en a d'autres où il y a des pièces étoiles là-dedans. Parfait. Je sais, je ne suis pas le seul à avoir fait ce let's play, ou même pas en let's play. Hein. Je vois, il n'y a pas non plus beaucoup de gens. Donc, j'ai un ami, il a fait déjà une vidéo sur ce jeu. Donc, j'attends à ce qu'il ait vu, mais ça, je m'en fous un petit peu, hein, perso. Voilà. Donc là, on va faire bientôt un glitch. Voilà. Assez sympathique. Hein. Là, on va le faire tout de suite, mais pas totalement. Donc alors, c'est... Vous mettez ici. Dès que la tortue arrive, dès que les coupas... Non ! Regardez en bas, voilà. Donc, non ! Pourquoi ça va marcher ? Voilà. On peut avoir 1118 maximum. Bon, écoutez, on va pas le faire tout de suite. Juste, on en a fait un peu quand même. Parce que... bah, je sais que ça va vous énerver au bout d'un moment. Oh, 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 c'est quoi ça? Ah bah encore une vie. Tant mieux. Et oh là là, je n'avais absolument jamais vu ce passage. Vous savez que là, je découvre en même temps que vous sur ça. Donc on n'est pas à 100% découverte. Hein, on est à... Oh la vache. Première mort du jeu, c'est n'importe quoi. Donc c'est pas grave. Hein. Je crois que ça lag un peu. Ah oui, là, cette pièce. Là, voilà. Je ne sais pas ce que ça donne, ça fait absolument rien. Voilà, là-bas, je voulais juste prendre cette fleur. Hop, toi, t'es mort.
Accès à la warp, attendez. Déjà. Déjà 10 minutes de vidéo, mais vous inquiétez pas. C'est déjà assez courte, malheureusement, à cause des. Alors, c'est Piranha. Oh la vache. Non, mais j'ai fait un peu n'importe quoi. Désolé, je joue comme un noob parce que je ne suis pas habitué à ce petit mode. Donc là, voilà, on skip un peu. Oh la vache. Oh, il y a une étoile. On va s'amuser. Voilà, très très bien. Voilà, donc cette plante piranha, elle te fait ça. Alors, une vidéo de presque 14 minutes, voilà. Là, je crois que ça te donne un petit truc en plus, ça. Je sais comment on peut faire, mais j'ai la flemme. Alors, très bien. Voilà, parfait. J'aurais tellement arrêté la vidéo maintenant, mais... Bon, on continue, n'hésitez pas. Ah, ça fait trop bizarre. Ah, ça lag un peu. À chaque fois que tu termines un niveau, ça sauvegarde. Donc, voici, il faut faire cette petite boîte. On vous explique le truc. Bienvenue dans cette mode mystère. Récupérez un maximum d'objets dans la limite du temps imparti. Vous y trouverez peut-être une pièce étoile. Bonne chance. Voilà, donc là, c'est des faux Goombas, voilà. Et il faut récupérer ces pièces étoiles. Parce que ça va te servir dans la vie. Et il faut récupérer un max de pièces. Voilà. Oui. Vous voyez au ralenti. Avez-vous récupéré la médaille étoile? Si Street Pass est activé et certaines boîtes mystères visitées et votre mise sont envoyées à d'autres joueurs, très bien. De même manière, il se peut que vous receviez des boîtes mystères inédites, très bien. Sur ce, rendez-vous dans la prochaine boîte mystère dans le prochain monde, voilà. On voit rien. C'est dingue. Ça lag un peu, je suis désolé. 12 minutes 30 de vidéo, c'est parfait. Ah. Là je viens de voter, non, je vais... Alors là pour avoir des pièces étoiles des fois il faut aller voir le petit Toad. Attendez deux petites secondes. Ça me gave. Voilà. C'est bon. Voilà. C'est des fois il va falloir faire ça. Voilà, ça c'est un peu mal foutu. Bon, ils utilisent. Je prends ma bouche et je vous laisse écouter ce merveilleux son. Ah non, ça t'enlève. Toc. Ah, j'ai jamais réussi à avoir toutes les pièces. Donc là, vous verrez un truc vraiment lag et tout. Ah, ça me gaffe ça. Jamais j'ai réussi à avoir. Donc on a eu la première pièce étoile, c'est très bien. Ah, attends, je suis bête. C'est bon. Non, c'est bon en fait. Donc les paracoccinelliques qui apparaissent dans ce jeu, un jeu assez, je vais pas dire mal noté, voilà. Après ces trucs là, vous voyez, donc, je vais un peu galérer parce que voilà, je suis pas habitué à jouer comme ça, assis sur une chaise roulante. Ah bah tiens, très bien, nous avons ce power up au lieu de la fleur de feu, c'est très bien. Par contre, lui, il va nous donner une fleur de feu, bah voilà, donc ça sert absolument à rien ce que je viens de faire, mais bon. Hop, là c'est pour un truc, c'est pour ça. Donc des fois, touc, vous allez en haut, et touc. Hop, voilà, comme ça on va gagner une vie. Oh la vache. Je sais pas ce que je vais. Voilà, donc on est à 50 vies, c'est bien. Donc je ferai une vidéo à part entière, comment gagner plein d'argent sur Super Mario 3D Land. Gagner plein de vies, pardon. Peut-être que je raconte un peu. Je raconte n'importe quoi, mais totalement n'importe quoi. Ça veut rien dire, mais bon. Je ne sais pas parler, donc.
Donc là, voilà. Petit truc. Voilà. Et je pense que j'ai fail. Non, non, c'est une bonne chose. Puis cette étoile un peu dure à voir. Voilà, tout simplement, il faut faire ça. Très bien. Et voilà. Des fois, il faut un peu jouer avec la caméra. Après, c'est un niveau un peu de cascade. Donc, cascade, sans parler de cascade. Ah, des cascades, des chutes d'eau plutôt. Ah, ça lag. C'est quand mon tel il a plus trop de. Quand il est pas trop habitué à la lumière, il fait ça. Donc, si vous voyez un peu flou, n'hésitez pas. Je parle doucement parce que on va faire un peu d'ASMR. Non, je rigole. Parce que quelqu'un dort à côté et il ne faut pas. Donc là, vous voyez, il ne faut pas le déranger, pardon. Là, nous sommes à 15 minutes. Allez, on va se terminer le monde. Donc là, il faut avoir au moins 3 pièces étoiles. Donc bon, t'en ramasses une sur le passage, c'est pas beaucoup. On peut refaire une vidéo par monde. C'est pas beaucoup. Donc voilà, tout simplement, on va le faire là. On continue. Donc ça va être des vidéos plus longues, évidemment, parce que. Parce que j'ai envie de faire des vidéos plus longues, voilà. Ça fait plaisir de rejouer à ces niveaux. Le monde 1, je le maîtrise, hein, la maîtrise. Et après, bah, le reste, j'ai un peu oublié, quoi. Attends, on va pas louper un tanuki quand même. C'est malsain de faire ça. Voilà, comme ça, si un mec qui s'approche de moi, il est mort. Voilà, comme toi. Voilà, et c'est très bien. Et là, je pense, voilà, vous voyez un peu qu'est-ce que je fais. Et c'est bien parce que du coup, nous avons direct la première pièce étoile sans m'en rendre compte. Ça se fait tout seul. Ouais. Alors là. Là, tout simplement, pas trop de difficultés, hein. Et je crois qu'on peut monter en haut si je ne dis pas de bêtises. Et si je crois que je dis une bêtise, on peut pas monter, c'est que pour le décor. Voilà, tu gagnes un peu d'argent, c'est très bien. Voilà, je vous laisse regarder. Faites attention ici. Oh la vache, on a échappé belle. De toute façon qu'il se dit même plus en fait, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Elle sort de ma bouche. On a une vie en plus, c'est très bien. Donc le système des vies, hein, comme tous les Mario, hein, heureusement. Et voilà, nous continuons, nous allons dans une boîte mystère. Alors. Voilà. Déjà fini. C'est génial. Voilà, c'est. Pas de difficulté hardcore. Non, non. Voilà, pour avoir la pièce étoile, il faut faire comme ceci. Donc, c'est très bien. C'est bien. Donc pareil, bon, ça c'est juste pour gagner un peu de time, mais ça sert pas à grand chose. Regardons, et voilà, c'est la fin du niveau. J'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, hein, voilà. Pas tomber sinon on est mort, c'est vraiment con de faire ça alors. Hop, on continue. Petit bout de chemin. Et nous arrivons à la fin du niveau. Là où évidemment il y a toujours un petit truc bien avec la fin du niveau. Tu vois, t'as fini, t'en as su avec ça, bah ils te le mettent encore pour terminer et pour avoir une vie. Voilà. Putain, j'ai mal au pouce à force de jouer comme ça. Actuellement, je suis plus détendu en fait. Là, faut que je sois plus détendu, je suis trop crispé. Voilà. Plus détendu, donc je l'ai eu samedi dernier, on est lundi, donc ça fait une semaine, un jour qu'on l'a, deux jours, peu importe. On est déjà à 19 minutes 40 de vidéo, donc là voilà, petite maison, ça sert pas à grand chose, hein, voilà, on en a pas besoin. Nous allons direct combattre Bowser, oulala. Voilà. C'est parti. Donc le son est pas synchro du tout, je pense. Donc château que j'ai refait
maintes de fois. J'ai refait beaucoup de fois hein, sur le château. Pas trop dur, difficile, pas trop difficile. Hein. Pour moi, il est pas très dur, je le maîtrise, ça va. Quoi. Pas trop de problèmes. Hein. Donc, première apparition des Scolarex, qui sont une vraie bête pourrave. Ça, ça me tue. Donc, attendez, je remets bien la cam. Voilà, parfait. Toi, t'es mort. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne même plus le sauter, lui sauter dessus sans être, sans dire des trucs cochons. Mais voilà, on a fait comme ça. Vous voyez, ce château, je maîtrise tellement que je peux avec les 3 étoiles. Première apparition des chomps. Voilà. On peut aller dessus, ça c'est bien. Ça te tue pas. Alors que normalement, bah ouais, à la base, c'est ça. Voilà. Voilà, vous pouvez voir. Ils aiment bien faire ça, Nintendo. Mettre des faux trucs là. Ah là là, ce sale Bowser. Alors voilà la fin. Ah non, vous voyez pas. Mais vous voyez a priori comment c'est. Voilà. Donc vous allez voir, on va devoir courir sur ce truc. Et ce truc là, tu peux mourir très facilement. C'est pour ça que je ne vais pas faire de conneries. Toi t'es mort. Et c'est parti pour la petite cinématique. Voilà. Ça bug, ça bug. Je le vois sur mon écran. Vous savez pas. Enfin, si vous le savez, puisque vous visionnez ce que je vois sur mon écran. Alors là, voilà. Il y a des. Il faut un peu. Il faut faire preuve de suicide un peu. Parce que des fois, il faut un peu se suicider. Comme ce que je viens de faire. Donc là, nous courons. Nous pouvons tuer Bowser directement. Voilà, il faut faire une charge au sol. Et voilà. Bowser est décédé. Non, je rigole. Évidemment. Ouh là là, il a chaud aux fesses. Mais non, oh la vache, quand il pleut dehors. Il est pas. Il pleut. Allez, vas-y, pousse Mario. Alors, moi, ce que j'aime bien faire à Toad, parce que je suis un gros sadique. Parce que Toad, j'ai vu des théories sur Mario et tout, qu'en fait, les Toad, bah, c'était des méchants. Voilà. Allez. Toad, t'es mort. T'es mort, allez, vas-y. T'es mort. Bon, sauf que tu lui sautes dessus, il va rien te faire. Hein. Mais non. Non, j'ai mal sauté. Ah, j'aime tellement cette musique. C'est pas synchro du tout avec la musique, c'est dingue. C'est dingue. On est déjà une demi-heure de vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à la partager gentiment et à la commenter, ça fait plaisir. On se retrouve dans la prochaine vidéo, dans la partie 2. Ciao les amis.